Me revoici donc pour la suite de l'album, la partie 2. Donc nous avons été coupés pendant le live. Donc j'ai dû tout éteindre, tout redémarrer. Enfin bref, voilà. Donc on en était. J'ai vu en plus que ça avait coupé depuis un petit moment. Donc on avait fini la partie intérieure comme ceci. Et du coup, maintenant, on va travailler sur ces trois parties-là. Donc, j'étais en train, justement, en faisant la vidéo, de coller ça quand je me suis aperçue que ça avait coupé. Donc, ici, j'ai mis un petit cadre. Ici, je vais mettre un autre cadre. Alors, on ne voit pas très bien. Donc, je vais essayer d'arranger au mieux que je peux. Vous voyez ici, donc cette partie-là, je vais rajouter pas grand-chose, puisque face à face, comme ça en diagonale, je vais pas mettre grand-chose. Et par contre, ici, je mets un cadre plein. Et pour faire une petite différence avec le reste, ben, je vais rajouter une fleur, soit en dessous, quelque chose qui va peut-être sortir du cadre blanc. Ou un feuillage, ouais, elles sont vraiment très grandes. Où je mets quelque chose comme ça en superposition. Je sais pas trop. Donc on va faire des tests. Hein. Il faut tester pour voir si ça va bien. Ou alors cette jolie petite couronne. Comme ceci, je pourrais pour qu'on la voie assez. Voilà, je vais la coller comme ça. Et par exemple, au centre, je pourrais y mettre un petit flocon. Ou pas. Non, ça fait pas joli. On va laisser la couronne toute seule comme ça. Allez, je vais coller ça. Alors ça, à plat. Ici et mon petit cadre avec le double face. Alors ça a coupé comme ça, c'est rare pendant les lives, ça m'était arrivé une fois l'année dernière et oh, c'était l'horreur, j'ai plus de souris, j'ai plus d'ordi, j'ai plus rien quoi en fait, faut que je coupe tout. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, je pense que ça vient de YouTube. Parce que la première fois que ça m'était arrivé, il y avait des gens qui s'étaient plaints justement. Ils avaient dit qu'il y a eu des problèmes sur YouTube. Donc du coup, ça venait pas de moi, ça me rassurait. Ça venait pas de mon matériel. Donc déjà, c'était plus rassurant. Et du coup, alors je regarde ce que je peux mettre. Peut-être qu'il y a des petites choses comme ça que je peux rajouter. Qui charge pas trop. Et là, je vais coller ce cadre-ci. Je vais mettre peut-être un petit sapin ici. Comme ça, on est bien dans le thème. Allez, c'est parti. Donc, je vais appeler pas si je vais appeler cette partie partie 3 pour que vous puissiez retrouver la suite puisque là on était en train de faire en live la partie 2. On peut l'appeler partie 3 et la semaine prochaine, oh là là, j'espère que ça coupera pas et qu'on pourra attaquer vraiment tranquillou là, tranquillou tranquillou. Parce qu'on est bien maintenant. Je baisse le son. Voilà. Donc sur cette partie-là, je ne vais pas mettre grand-chose pour l'instant. Si je veux rajouter des choses, je verrai. Je serai toujours à temps d'en rajouter. Donc on verra après pour les petits embellissements. On va dire qu'on fait le plus gros. Donc ça, c'est ce qui sera collé à l'arrière. Donc on a tout garni. Donc il nous reste que cette partie-là, ici. À garnir, donc un petit cadre tout blanc. On va faire simple ici, un petit cadre blanc.
En fait, j'ai pas regardé en pliant l'album quelle était la première partie, la première page qui est présente sur le devant. On peut la décorer un petit peu plus si on veut. Là, on pourrait rajouter par exemple une fleur par-dessus une autre fleur comme ça, une plus petite pour faire comme un 3D. En même temps, il faut quand même qu'on puisse la voir aussi et garder aussi un emplacement pour la photo. Donc c'est peut-être plus sympa si elle est à côté, ça fait un ensemble de fleurs. Je vais la coller avec des mousses d'un millimètre. Voilà pour cette partie. Donc quand je referme, tac, ah voilà, j'ai cette face là sur le devant. Et là, donc je peux fermer. Donc j'ai toutes mes pages, elles vont se déplier dans tous les sens. Donc là, je peux fermer sur le devant et je vais coller ce bloc de pages sur ma base d'album. Alors ma structure, donc on a la deuxième feuille à faire de la même façon et on va coller cette partie là. Soit je la mets en premier plan comme ça, soit à l'arrière. Je vais surtout regarder de ne pas mettre le même motif. Donc là comme j'ai le même motif ici, volontairement je vais contraster, je mettrai celui-ci devant et je vais coller celui-ci de suite. Alors vous pouvez, oh, il y a un moustique, ça c'est pénible. Donc vous pouvez coller le deuxième bloc aussi et le décorer après si vous voulez, ou le décorer avant comme on vient de faire et le coller ensuite. Je crois que je vais le décorer avant et le coller après. Voilà donc l'épaisseur qu'on a sur cette partie-là. Donc la deuxième partie, eh bien, je vais la faire hors vidéo parce que je pense que vous avez bien compris le principe. Je vais peut-être vous remontrer celui que j'ai fait avec les embellissements mariage, un des deux blocs. Comme ça, si vous voulez vraiment faire la même chose, vous vous inspirez du thème mariage, vous pourrez utiliser un que j'ai utilisé, que j'ai fait. Donc celui-ci, alors sur le devant, donc un cadre blanc, une petite découpe que j'ai ajourée là, mais j'ai laissé vide ici pour pouvoir glisser un tag, enfin ou un cadre, ou une photo sur le cadre. Et ici, un petit reste, comme on en a souvent, un petit reste de papier pailleté, vous voyez, que j'ai recoupé pour pas gâcher. En même temps, ça fait une petite fantaisie. À l'arrière, donc ici, on a un cadre blanc, un cadre à motif. Il se lit dans l'autre sens, celui-ci. Là, vous avez un cadre gris, des petits cœurs, un cadre vide, un petit mot love, encore une petite découpe façon fanion. Donc dans ce sens, on a ici des petits cœurs, un cadre gris vide, ici des petits cœurs, ici ça s'ouvre aussi, donc un petit cadre avec de la dentelle, un petit cadre de papier pailleté, donc un cadre ajouré, en fait c'est une chute ça, de la découpe, un cadre entier bleu et un cadre à motif évidé avec une petite chute de papier pailleté là. Voilà, donc vous faites avec les petites chutes de papier, les cadres évidés, les cadres pleins, enfin voilà. Donc je vous propose de faire ça pour si vous faites le thème mariage, voilà, enfin vous pouvez vous inspirer de ça. Voilà, donc là je vais le refermer, l'autre partie. Et l'autre partie à l'arrière, donc c'est pareil, on a des cadres, des fleurs collées,
Vous pouvez en découper aussi à l'arrière du paquet. Ici, un petit cadre. Après, j'ai passé du gel pailleté dessus, comme ça, avec le doigt étalé. Ici, j'en ai mis un petit peu aussi, des paillettes sur le feuillage. Voilà, toujours le cadre avec les petites paillettes. Et ici, pareil, voilà, cadre plein, petit collage de fleurs, un bout de découpe de papier nacré. Voilà, bon, je vous l'avais montré en vidéo de présentation. Donc, voilà pour ces parties-là de l'album. Donc, où le moustique m'attaque. Je vais continuer, décidément, mais quelle journée. Je vais continuer la déco de la deuxième partie, comme ça, hors caméra. Et puis, on se retrouve jeudi. Donc, vous pouvez faire de même, le coller sur votre base. Et on se retrouve jeudi pour continuer la déco de cet album. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt et mille excuses pour ces coupures informatiques involontaires de scrap merveilleux. Voilà, ça m'a perturbée, je ne sais que vous dire. À très bientôt.